ça tue que genre ça VOD. VOD suite de Dead Island 2. Une araignée de taille normale en Australie. Un jour normal en Australie. On vient de faire un boss ici. On vient d'avoir un cinématique avec Michael. Alors j'aurais bien aimé prendre des trucs dans sa, dans sa caravane, mais le jeu m'a dit non. Et c'est pas sympa. On a passé un level, on est maintenant niveau 10. Et du coup, il faut que je retourne à Beverly Hills. Par là, apparemment. Ok, ça s'est ouvert. Et je vais essayer de vraiment faire gaffe à tout ce que je vais pouvoir loot parce que... Parce que je commence vraiment à manquer de compos pour mes soins. Ouais, enfin oui, c'est ça, pour mes soins. Pour mes kits de soins. Et il va falloir aussi qu'on vende des armes. Est-ce qu'on pourrait agrandir notre inventaire? Ça, j'aimerais bien quand même. On loot beaucoup de choses. Bon, les compos, ça va, ça a l'air d'aller. Même s'il y a une limite, ça a l'air d'aller. Mais pour les armes, c'est fou. Même pas un petit... Un petit établi ici. Pour que je puisse me réparer, tout ça, après le boss, quoi. Oh là, j'y vais tellement. Oh, j'ai l'équitation. Oh, 205! Je crois que c'est ma meilleure... Ah, c'est la meilleure arme que je puisse avoir, là. Attendez. 205, c'est une voiture aussi, non? Peut-être. C'est important. Pas trop. Un peu lent, hein. Je suis habitué au côté rapide, moi. Je vais regarder ici. On va la tester quand même. Ça fait 30 ans que je t'ai pas passé sur télé, franchement, ça fait trop plaisir. Merci, ben oui, mais j'étais pas... J'ai pas stream pendant une semaine. Quasiment 6 jours. J'étais pas là, j'étais en vacances. J'ai pas crevé sans trop utiliser les soins, bah... si, effectivement, si j'utilise pas de soins, c'est chaud. Mais il va falloir déjà que j'utilise les barres de céréales que je croise, parce que très souvent je me heal sans réfléchir, alors que je pourrais au moins me heal sur le moment avec des barres de céréales. Et il faudra aussi que je pars beaucoup plus. Je commence à m'habituer, mais voilà, c'est encore un peu lent. Et une fois que ce sera fait, je pense que... J'aurai peut-être moins besoin de soins. Un peu moins. Un dîme moins. Est-ce que je peux améliorer cette... Attendez, est-ce que je peux me faire des soins? J'en ai zéro. Je peux pas me faire du tout de soins, ça va être chaud. On va voir, c'est aventure, c'est aventure, c'est gaming. Mode équitateur au corps à corps. Mais je peux mettre autre chose parce que... Moi j'ai ça. Ah mais tout ce que je mettrai, ça va descendre. Ah bah non alors. Non. Oh non, non, non. Et là, c'est un renfort. Ok, bon, on va le mettre. C'est le seul truc que je puisse mettre. Voilà. Yeah. Radio. Yes, you're through to Carla, living legend in the flesh. Okay, it's clear you're alive. I have a friend who needs help. Any chance you could get to the Halpern Hotel, like, soon? Maybe. What's the issue? I'm... Hold up. Ah. I'm Hannah. I'm hunkered down with my BCL. Oh, je me dis bien, on la connaît pas, elle. We share in the Venice canals, but I've lost contact with one of them. Rav, he's a med student. I think I know why he's not returning your calls. You haven't seen the Bobcats in action. He's a survivor. Les lynx en action. And he's been making. Ah, les lynx, c'est une unité. He'll make it worth your while. I've seen some people still alive. All right, let's get to the Halperin. Ok. J'ai suivi qu'à moitié. J'aime pas que t'avais pris des vacances, tant mieux, on va dire que j'ai rien loupé. Ouh, bah tant mieux. Oh, je peux stocker des trucs. Je vais stocker les armes que je vais revendre. Genre ça, je vais vendre. Ça aussi. Ça aussi. Ça aussi. Oui. Attends, comment... Ah, je peux pas stocker. Plus, mais... Là. Voilà. Ouais, ça aussi. Voilà, le reste je garde. Mais ça, ce sera à revendre. Donc ça, c'est bien.
quoi, t'étais pas là? T'avais même pas remarqué mon accent, c'est ce que je vois. Bah disons que de toute façon, personne n'était là, signe blanc. Si j'étais en vacances. C'est pour l'ox. Ouais bah toi je sais que tu t'en es pas rendu compte, Infernal, où tu t'endormais sur le canapé là. Ok, on loot. Bon, bah c'était rapide. Une dame random est coincée... Une dame random... Attends, résumé de l'appel radio. Une dame random est coincée et son pote répond plus. OMG, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est vrai, c'est... Oui, oui, j'ai compris ça, plus ou moins. Je suis très étonnée... Ouais. Je suis très étonnée qu'on accepte si facilement. Alors qu'en tant que personne invulnérable... Enfin, invulnérable. Quasi, quoi. En tant que personne résistante au virus... Notre vie est précieuse. Vous voyez ? Je veux dire que toute la semaine dernière, j'ai parlé à une VOD. Oui, c'est vrai qu'il y a la dernière VOD qui se met... Ouais, bah tu t'es pas dit que, bon... Chaque soir, le contenu se ressemblait vachement quand même. Sam, I'm back in Beverly Hills. Where are these guns? Oh. We run here, headed to 12 Ark Hill Ridge. Meet you there. Non, pas ici. J'ai réussi à me coincer à cause d'une fougère. Je bégaye, si tu m'as à parler, là je suis pas concentrée. Faut que je me concentre. Donc faut que je sois de nouveau là-dedans là. C'est ça, quand on sait pas pendant une semaine, on sait plus comment on fait après. Oh putain, j'ai envie de tester ce truc. Gate control room. Merda, need the key. Ouais, mais je demande les clés. Je trouverai jamais la clé ici. Je vais m'en aller, j'ai trouvé une clé 1 de C4, je vais complètement oublier que c'était pour ici et du coup ça va me saouler. Oh, si je fais ça. Merde. Vous éclatez, vous êtes dégain. Putain. J'étais... Hey, c'était bien joué. Oh. La chose... Elle était là. Elle est en forme. On va la laisser. Allez. Valve wheel's missing on this thing. Ah, this is caustic slime like at the Halperin. Ah oui. Donc j'enlève ça. Coucou. Coucou. Voilà. Là je passe. Là je loot. Là je me mets comme ça. Qu'est-ce que je fais là? More caustic stuff. Where's it all coming from? See ya, gross caustic shit. Peggy 18. Need some water to wash away. Salut Bloody. Bah la chose est un zombie. Bah la chose est un... Basiquement c'est... Ça va, Bloody? La chose en fait, en vrai, c'est un zombie. Breaker. Phil went down to filtration. C'est officiel, c'est l'Ox la meilleure. Oh ça on le savait. Merci, c'est très gentil. J'espère que tu vas bien. Ok. Ok. Là je peux envoyer des trucs, mais si je trouve de la flotte et j'envoie ça et ça c'est cool. Il faudrait que je trouve de la flotte. Mais là, il y a de la flotte là, non? Un peu, non? Ça se trouve, j'en avais besoin. J'en avais besoin pour quelque chose et j'ai pas su. Oh bah ça, au pire, je fais ça, hein. Deg, hein. Je sais plus quoi faire là. Hein. Là t'es un petit peu deg. Hein. Là tu vois, là, moi je suis là. Putain t'es en bas. Hein. Genre. Tu vas où? Tu. Eh hey. Tu devais être deg. M'en fous, tu vas te faire caustiquer. Alors. T'es deg, hein. Oh, je pensais qu'il allait mourir avant, ça aurait été trop stylé.
Il devait mourir juste en m'atteignant. Vraiment. Ok. Ah mais oui, c'était ça, j'aurais dû... Oui, voilà. C'est ça que je l'aurais balancé à la gueule. En fait, j'aurais dû le garder. Ou pas, en fait. Peut-être que j'ai pris de là. Non. Ah non, c'est bon. Breaker. J'ai pris ça. Mais ça va me servir à quelque chose? Non hein. Je dégage hein. Trouver la clé? Non, faut que je trouve une clé. On va aller dans la flotte, ça me semble être une très bonne idée. Ouais. Il est pas content, il peut plus faire d'onde de choc. Mais ouais, j'étais au-dessus de lui, t'es trop deg. On pourrait me faire un topo de l'histoire, parce que j'avoue, j'ai pas suivi. Franchement... Ça va, t'as pas loupé trop grand chose. Mais en gros, l'histoire, c'est... Notre personnage est immunisé. Tant mieux pour nous, parce que si on joue quelqu'un de pas immunisé, bah du coup, il mourra vachement plus. On le découvre en se faisant mordre, et on nous attache et tout, mais en fait, on se rend compte qu'on n'est pas affecté, qu'on n'est pas transformé, tout ça, tout ça. Et du coup, on croise de la route de gens qui étaient dans un avion, je crois. Oui, c'est ça, il y a eu un crash d'avion, on était dans l'avion aussi. À cause de toute l'infection zombie, parce que en fait, dans Dead Island 2, c'est déjà installé, l'infection a commencé, enfin les zombies ont commencé à être vraiment présents, machin. Dans Dead Island 1, je sais plus exactement le topo qui fait que l'histoire, la justification qui fait qu'il y a des zombies partout. Non, on le sait dans le 1. Et là, en gros, on veut essayer de faire quelque chose vu qu'on est immunisé. On se dit, tiens, peut-être il y a moyen, on sauve le monde, genre. Je pense que c'est ça. À peu près, non. Sur Dead Island 2, quoi de mieux? Est-ce qu'il live peut-être? Mais moi je live? Demain chirurgien. Ah ouais, oh, j'espère que c'est pas une trop grosse soupée, bon courage. Bah ouais ça va, retour de vacances sur Dead Island. Bon hier on a fait un peu de... Je fais n'importe quoi. Hier on a fait un petit peu de grand chinon. Hein. Et là... Oh la vache, ah il est immunisé à ça. Merde. Ah il est immunisé, ok. Faut que je trouve à quoi il est pas immunisé. Ok. Attendez, ça m'énerve là. Attendez, déjà on va faire ça. Là il est moins immunisé là. Là il la ramène moins là. Hein. Là il dit moins des trucs là. Hein. Le pomplard là. Mais ça va être chiant si je dois à chaque fois utiliser une bombe parce que le temps que ça se... J'ai un cooldown un peu long quoi. Ah j'aurais pu l'électriser. J'aurais pas fait grand chose. Il avait l'air immunisé à plein de trucs. Histoire de The Last of Us, c'est pas ça mais pas loin. Je sais pas. En fait on se... Un petit peu comme dans Dead... Left 4 Dead et tout ça. On s'emmerde pas trop avec le scénario dans ce jeu là. Parce que le but c'est d'éclater du zombard. Et voilà. Ok. Je me tue moi-même. Il a absolument pas eu un seul pixel de vie enlevé. Félicitations ! Et moi, ça m'a tué très vite. C'est-à-dire qu'on était dans une contre-efficacité. Oui, tout à fait. Difficile à atteindre si j'avais voulu, quoi. Parasite venant d'un champignon. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, le cordyceps. Ça fait, hein, ça fait. Moi je sais, du coup, non. Parasite qui existe, mais pour les fourmis. Pas que d'ailleurs, je crois. Enfin, il y en a plusieurs après des champis, je crois, qui sont comme ça avec les insectes. J'avais aussi d'autres bestioles.
Score 17. Pas loin. Franchement, pas loin. Du coup, tu disais infernalement en parlant de Genshin, j'ai une quest à faire, j'ai le multi. Oh, cool! Attendez. Du coup, je suis obligée de faire ça. Objet à lancer. Et là, on va mettre. Coucou! Coucou, petit Lix! On va mettre la flotte. Ça, c'est une bombe de flotte. Je suis trompée, j'y mets la main. Du coup, alors mais merde, du coup j'ai utilisé ma bombe. Bon, lui on va le faire tranquille. Je dois le... Ah merde. Même la tête ça lui fait rien. Fait chier. Alors, regardez, à chaque fois je vous fais ça, ça me fait trembler. Je crois que j'ai envoyé de la flotte. Ouais, j'ai envoyé de la flotte, ouais. Ok. J'ai la bebon. Efficace. Ça, vraiment, on peut pas nier l'efficacité, je crois. Mais ils font chier un peu. Batterie. Ça, faut lui mettre de l'eau pour que ça s'enlève. Oui, c'est ça. Là, je vais pas mettre d'eau. Parce que c'est chiant. Des soins. Fantastic. Non, mais y a des trucs là. Nearly there. Just gotta fix the plumbing to open the door. Bon. Eh ben, bah ok. Ah merde, non, ça, c'est revenu. Attendez, faut que je refasse. L'acide, mais l'acide, en fait, ils étaient déjà dessus tout à l'heure et j'avais l'impression que ça faisait air. Ok. Du coup, je suis pas sûre. Je pense qu'il doit avoir une strat avec ça, mais j'ai pas l'impression que c'était trop fou. Salut, Pignoufou. Comment ça va? Tranquillou. On est sur Dead Island et on kiffe. Bon là, j'avoue, je galère un peu. Mais c'est plus rigolo, c'est plus rigolo. Attends, n'électrise pas, c'est chiant. C'est méchant. Au caustique. Ah non, j'ai mis du caustique. Si, je pète tout ici. Ah oui, non, c'est ici. Croix, rien. Je fais de l'eau. Il y a une info que j'ai pas là. Faut que je fasse 20, mais ça fait pas 20. Il y a une info que j'ai pas là. Si je ferme ça. 50. Yeah, piece of cake. Ah ouais? Ouais, j'ai réussi? Bah c'est super, j'ai rien fait. Ok, là je refais ça du coup. Bingo. Always knew I could be an engineer. Ouais, ouais. Bah t'as eu de la chance que mon YOLO total il soit suffisant parce que le jeu il veut bien quoi. Parce que sinon là ce que j'ai fait n'avait pas beaucoup de sens pour moi. J'ai équilibré des valves d'eau et des valves de caustique, ça a pas de sens. Bref. Comment je passe là? Je vais mourir. C'est absolument pas comme ça qu'on fait des chocs à pic. Je sais pas moi. Pas la recette moi. En même temps, le choc à pic, en vrai, c'est un peu pourri. Enfin, en vrai. C'est sympa. Allez, juste avec du lait, c'est bien, mais moi, j'aime pas le lait seul. Je sais pas comment passer, en fait. Une autre porte? Bah non. Y a cette... En fait, il y a ça.
Voilà. Si je fais ça, c'est bon, c'est actif là maintenant, ok. Ah, de la flotte. Non, j'ai que ça, hein. Si je mets du... Attendez. Si je mets des bombes de flotte, ça devrait aller, je crois. Pour le moment. On va tester. C'était génial. Comme sur des rollers. En fait, j'aurais dû emmener ça là-bas. Pour pouvoir après passer facilement. Je l'ai pas fait. YOLO flow, oui un peu. Là, entre l'énigme d'avant et ça, il y a un peu de YOLO, ouais. Hey Phil, need your key. Oh je sais, je passe dans du caustique. Attendez, je vais les caustiquer. Ah mais si ça marche pas, je suis non mais si ça va marcher. Ça va marcher, ça va marcher. Super, les autres ils viennent pas. Du coup je suis coincé là. Ouais t'es fut de fou là. Bon attendez, je refais ça. J'ai mis de l'eau mais ça a pas marché. Attendez. Oh non mais c'est chiant. Attendez. Je suis coincé. Nickel. Comme sur des rollers. Vas-y, active-toi. Non. Un peu caustique là, non? C'est ça. Finally, time to get me some guns. Il est pas dans le caustique là, vraiment? Ah, ça lui fait rien le caustique en fait. Il s'en fout. Il en a rien à finir. Ah ouais, il s'en fout total. Immunisé à tout le gonze. Et ça alors, immunisé là? Un peu, mais il est pas mort. Non mais c'est bon, t'es rongé de partout mec, au bout d'un moment abandonne, capitule. Bonne nuit, petit grisou, bisoubi. Le causticage, il n'en a que faire de ce ramage. Hein. J'attends d'avoir ma bombe. Ouais, il s'en fout. Fatality. Hop là. Non, arrête. Elle est rigolo, quand même. Bon, j'ai réussi. Enfin, ça ressemble presque à une victoire quand même. Ah merde, j'ai fait là-bas. Ça va, je vais bien. Ça va, j'ai rien.
Bonne nuit, petit grisou. Oui, bonne nuit à toi, petit grisou. Ah, mais attends, est-ce que je fais ça? Ça enlève le caustique. Ça le met là. Ah, j'aurais pu faire ça quand ils étaient là-bas. Je vais pas essayer, hein. Une batterie, j'en ai besoin? Je pense, peut-être. Non, dégage! Ah non. Batterie. Ah, c'est ça, hein. Un plug avec les fusibles. Ah, mais non, c'est une batterie. Accéder à la salle de contrôle des portes pour ouvrir la porte principale. Ah, c'est au-dessus. Ok. Ok, ok, ok. On perd son pied, du coup. Mais oui, ne dit-on pas joyeux, trop joyeux qui perd pied? En vrai, c'est possible. En vrai, cette expression est possible. En vrai, en frais, j'aime beaucoup. Je m'en vais. Voilà. Si, c'est ça. C'est bon, moi, ça. C'est ça. C'est bon, moi, ça. Hop là. Ça va, hein, je me suis pas si mal sortie, je trouve. Mmh. Ah, j'ai trouvé la clé? Vraiment? Et je me suis même pas rendu compte, hein. Heureusement que le jeu, il est gentil. Interrupteur, après. Oh, mais ça va être lourd. Oh, avantage afflux de puissance. Tu veux sentir mon afflux de puissance? Vous laissez aussi bonne nuit, signe blanc, des bisous. Mitou, des zoubis. Bah, tous ceux qui vont se coucher, des zoubis. Très bonne nuit. Ça a craqué. En vrai, propose Lily, à tout moment t'inventer une expression, je pense. Je pense qu'il y a moyen. J'ai déjà oublié, mais en vrai, Kali. Bonne nuit, signe blanc. Bonne nuit, Stiffy. Bonne nuit, Grisou, du coup. Et bisous à ceux qui partent. Qu'est-ce qu'on a donc? Donc ça, je répare. C'est quand même mon arme principale. On a une énorme masse. Elle fait beaucoup de dégâts de base. Hein. Mais bon, les armes lentes, moi... Ah, il fallait que je teste un peu ça. J'ai pas beaucoup testé. Mais j'aime pas assez lent. Est-ce que je peux me faire des soins? On va faire un. Voilà. Allez, interrupteur. Hey, this is Sam. We're almost there. Bonjour Sam. Moi j'ai réussi. C'était ça qu'il fallait faire. Hop là. J'avais envie de glisser. Tu as tombé toi. Toi dans ta gueule toi. Je fais n'importe quoi, j'ai pas besoin de les tuer. Qu'est-ce que je fais? Zambi. Let's go. Un petit coup comme ça en passant, juste comme ça. Oh mais dis donc, je suis à la maison. Oh c'est trop beau. Si je fais ça. Ah ça marche pas trop. Ah ça marche pas. Ah ça marche pas. Bonjour Sam B and Ronnie. What's up dudes? What's up dude? Ronnie says this place is packed with guns. Get the bus là-dedans, il faut péter. Ah mais c'est pas chez nous en fait. Je me disais aussi, j'avais jamais vu ça. Ok. No bueno. Mais non, mais l'autre, il a une énorme masse, il peut pas faire un effort, là. Maybe this wasn't such a good idea. Stand the fuck back. It's hammer time. Parce que c'est plus finalement, je suis trop hype. Ça marche. C'est gentil. Bonne nuit, Mogamindar, bisous. Open sesame. Oula. I got this. Non, pas encore. Get the guns. He's got it. Whose place is this? Bah, j'assurerais aussi si j'avais la même arme. I saw Sir Snow Leopard once. Je vois au point d'en perdre pied. Ouais, c'est vrai, hein. Joyeux à tel point qu'il en perd pied. Ouais, c'était un truc comme ça. Joyeux à tel point qu'on en perd pied, ouais. Je crois que c'était un truc comme ça. Oh, qu'est-ce que c'est, ses pattes? Regardez ses doigts. Oh. Hey, bitch. Still think you're too good for running. Ah, c'est un spécial, c'était sûr, c'était sûr.
mais il se la pétait. Mais ça se voyait, il avait une dégaine de quelqu'un que hein, le destin, le karma lui fera payer. Venger Ronnie. Oh bah deux secondes. Déjà ça. Ah non. Non, pas ça. Attendez. Et ça. Pas mal. C'est correct ce que j'ai fait, c'est correct. Je loot un petit peu. J'ai essayé de parer, c'était pitoyable. Ah oui, ça faut que je me casse, je l'ai mis à coup. Ok. Quoi? Ah non, mais c'est de la flotte! Ah oui, donc on s'en fout. Oh, attendez, je suis pas prête. Ah si, c'est bon, ça a explosé. Ok, petit soin. Cette gueule! Oh, cette gueule! Oh, mais la ferme, toi! C'est lequel qui gueule? Le parage est compliqué quand il y a beaucoup de tapage dans ma gueule. Ok. Ah si. Si c'est ça. Oh j'ai réussi là. Toi j'ai ton cheveu. On va refaire un petit... Ah là, là je le sens trop bien là. Là c'est parfait là, regardez. Là. Toi. Petite boisson, des trucs, petite barre, on est bien. Ah mais faut que je tue celui qui gueule parce que je pense que sinon ça ne va pas s'arrêter. C'est chaud. Oh c'est chaud. J'ai je pense pas encore les levels. Ah je peux me foutre du feu ici. Soignage. Ensuite du feu. Ok c'est pas trop mal. Quoi? Est-ce que je peux t'envoyer sur le feu? Non, ça va être chiant. Toi aussi, il faut que je t'envoie sur le... Tu crois qu'il explosait? Il y avait une bonbonne de quoi? Voilà. Ok, là, au moins elle a pris feu. Je vais faire ça aussi pour voir si ça me heal un peu. Je sais plus si ça me heal ça. Elle est quasi morte, faut pas déconner. Tiens, et dans ta mouille. Voilà. Attends. Attendez! Ça va exploser ça. Oh, c'est de la flotte, ça. Éliminez-les, 2 secondes. Elle est tombée. Alors, je vais vous lire après. Bon, quelques-uns. Ça leur a rien fait. Mais franchement, l'ult, c'est pourri. Et du coup, salut! Katarnat, c'est ça? Ou Katarna peut-être, juste sur le thé. Ça ressemble à un jeu de zombies un peu Kawasaki. J'ai oublié le nom. Kawasaki.
En fait, c'est surtout que c'est un jeu de zombies qui va privilégier les armes au corps à corps. Donc par exemple, effectivement, il y a beaucoup de gens qui vont jouer en mode sabre et tout. Mais tu vas avoir plein d'armes au corps à corps. Notamment des griffes comme ça, des katanas, des grosses haches. Ah, je vais tester un peu la hache. Avec des modifications que tu peux rajouter aux armes. Du coup, là, chacune de mes armes, des armes que je t'ai montrées avait des modifications différentes. Et ça, c'est toi qui décides. Quand tu lootes une arme, tu peux voir un petit peu comment l'améliorer selon tes envies et selon les besoins aussi. Et ouais, c'est un jeu de zombies vraiment basé sur le combat au corps à corps. Il y a aussi des armes à distance, mais pour le moment, j'en ai même pas trop d'ailleurs. Donc c'est pas la prio dans ce jeu-là. Faut toucher son nez. Ah ouais, minuit, faut toucher son nez. Putain, j'ai encore loupé. J'espère que vous l'avez fait. Ah, minuit, touche son nose. Touch the nose at midnight, comme dit la chanson. Mais son nez à qui? J'aime bien cette question. Toucher le nez de qui? Moi, j'ai le mien sous la main, mais... Deux abysses et j'ai un bisou Gamepad. Un jour, tu arriveras à Lox. Je le fais, des fois. Non, pas du tout, en fait. Non, hier, je crois c'est bon, je l'ai fait à minuit, je crois. Hier. Ouais, non mais je sais pas. Un jour j'ai dit ça quand on était en live. Et puis et je sais pas, je l'avais entendu quelque part. Faut toucher son nez, je sais plus quoi. Un jour c'est le nouveau Zelda. Tout à fait. Je sais pas s'il sort un minuit pile. S'il sort un minuit pile, on le fera du coup dans la nuit du jeudi à vendredi. On le découvrira. Sinon, eh ben, la soirée du vendredi sera consacrée à ça. Voilà, on verra. Mais j'avoue que s'il sort à minuit, ce sera chaud d'attendre le lendemain, donc je pense qu'on le fera dans la journée. Dans la nuit. Nouveau Outlast bientôt aussi, carrément. Nouveau Outlast, c'est le 18, je crois. Oh, c'est l'anniversaire de ma cousine. Attendez, je lui envoie un message, je vais être la première. Attendez. Je fais ça. Ah non, c'est pas sur WhatsApp, c'est par message. Ces gens qui sont pas sur WhatsApp, c'est fou. J'ai mon petit doigt, il fait des trucs chelous. J'ai l'impression qu'il est pas dans l'axe. Petit moment très sympa hein, du live. Voilà. Il bouge, ça me fait ça assez souvent. Bah disons qu'en fait j'ai l'impression qu'il bouge pas comme je le voudrais. J'ai l'impression qu'il est pas dans l'axe, ouais, bref. Perso je suis trop hype, mais oui, mais il y a beaucoup de sorties hein, moi qui me plaisent ce mois-ci. Allez bisous signe blanc, qui déjà voulait aller se coucher un peu plus tôt et qui est resté un peu. Des gros bisous. Très bonne nuit. Et bon courage pour demain. Salut Marvel Galactus. Comment vas-tu donc? Oh, salle de pain sympa. Mais est-ce que... Oh mais je trouve même pas de produits chimiques ici, voilà. C'est ça qui me permet de faire mes kits de soins. Là, si vous voyez des détergents monsieur propres, faut surtout... Surtout que je saute dessus quoi. Ah oui, je me disais mais je peux pas monter. Il y a un truc qui m'empêche un peu de monter à ces escaliers. Ok. J'ai fouillé du coup ce que je pouvais fouiller. On va redescendre. On va voir le temps. C'est quoi, c'est le garage genre là-bas. Ah non, pas du tout. Oh, j'ai rangé mes armes. Du coup il va avoir une cinématique en tout cas. Ouh. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Il était dehors. Comment il est venu là? Mais what the fuck? Casier. Ah bah je vais mettre cette arme.
Voilà. Ça, on va, ça va dégager, ça. Et... est-ce que je garde mon trident? J'ai un peu du mal avec le trident. Autant ça, c'était puissant. Je vais essayer de l'utiliser plus souvent. Autant le trident... je pense que je vais le laisser de côté. Pour le moment. Et la matraque aussi. Voilà, je garde les autres trucs. Parce que j'ai déjà cette matraque, de toute façon. Ouais, c'est bien ça. Hop. On fout ça là. On fout ça là. Là, ouais. On fout ça là. Hein. Bah sympa hein, ta piole. Enfin, non en fait j'aime pas. Je voudrais avant toute chose trouver un... ah bah non mais je viens de là. Un établi. Mais peut-être après alors. Peut-être après. Ah c'est la suite, bon on va lui parler. Ronnie got eaten. Ah oui c'est vrai, on l'a vu se faire bouffer. It's not your fault, all right? People who ain't like us don't last out here. I told him, but he wanted to be the big fixer. Il est nerveux? I got bit the fuck just keeping him alive this long. Grab a gun and let's get back to Emma's. All right. Hop là. Ouh, bah voilà. How you like me now, dumbass moaner? On a du coup une arme à feu. Trop gueudin. Je vais mettre en 2. Ça, je vais mettre en 4. Oui, c'est bien là. Ouais, c'est bien là. Sauf plus adapté, j'ai testé une nouvelle arme pour découvrir quelle. Ouais, ouais, je te fais tester. Wait, why aren't I shooting these? Ok, je monte à l'étage. Mais j'ai pas de balles. Ah si, j'ai que 20 balles. Ah là j'en trouve d'autres. Incroyable. Ce level design incroyable. Let's see what this baby can do. Oh, OMG. Ok. Il faut que je vise la tête. Boom goes the dynamite. Je l'ai pas eu. Et tire vite hein. Ça explose? Non, je croyais. Oula là, là. Oula. Oupsi. Oh bah on va dire que ça passe. Hein. Peut-être mieux comme ça en fait. Ouais, je pense que c'est mieux, ouais. Ah, ah oui, d'accord, je croyais qu'il me couvrait, mais pas du tout. Mais arrête! Ah, dégueu! C'est fini? Oh non, c'était bien! Oh non, tout. Le gars il a dit je couvre. Ah non, mais il couvrait l'autre ruelle en fait, l'autre côté. Ouais, il couvrait que dalle. J'en ai fait deux d'un coup là. Ok? Ah non, encore un. Trop cool n'empêche. Le flingue est super agréable. Hein. Et... encore? C'est tous. Oh, c'est beau là. Oh j'ai pas trouvé la clé de ça. Peut-être sur les zombies? Je vais fouiller bien. On va faire bien. Mieux que d'habitude quoi. Sympa cette petite phase, sympatoche. J'utilise vraiment des exprès.
l'impression plus qu'obsolète. Sympatoche, je pense que la dernière fois que j'ai entendu dans, quelque part, c'était dans la série H. Et elle est pas récente, cette série. Elle a genre 1000 ans. C'est tout ? Il y avait pas beaucoup de loot, j'ai eu beaucoup pourtant. J'ai tué. Il est pas arrêté, quoi. C'est tout. Ah si, là, quand même. Quoi ça ? Des balles. Bien après, hein, mais... vu tout ce qu'il me faut pour... vu tout ce qu'il me faut pour me soigner à chaque fois, j'avoue que j'estimais... j'estimais que la récompense pour ce fight devrait être mieux. Comme quand tu as un coup ou un autre et ton corps agit encore... alors que tu fais rien, c'est ton cerveau qui continue à déployer des signaux électriques. Dis qu'on en parle ou pas? Je trouve qu'elle va pas avec la scène. Alors ouais, c'est... les musiques sont pas forcément ouf, mais c'est aussi parce que j'ai le jeu en version libre de droit. J'ai activé le mode streamer et je pense que si vous activez pas le mode streamer, les musiques doivent être vachement mieux. Donc c'est juste des musiques où ils sont... j'ai l'impression que ce soit pas trop emmerdé pour les musiques, pour ceux qui sont en mode libre de droit. Mais je pense très sincèrement qu'elles sont très cool dans la version normale. Je parle. Sam ? Regroupez-vous avec Sam. Je suis regroupée avec Sam. Sam. Je peux pas me regrouper plus là, Sam. Il va falloir que tu... Regarde-moi, Sam. Au bout d'un moment, ton sac à dos est minuscule, Sam. Tu fais rentrer les mêmes armes en boucle, Sam. Parle-moi, s'il te plaît, Sam. Fais pas la gueule, Sam. Sam, il fait la gueule. Sam ? Qu'est-ce qui va pas, Sam ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Oui, j'ai douté de toi tout à l'heure. Oui, j'ai dit que je trouvais que tu m'aidais pas beaucoup. Bon, excuse-moi. Peut-on passer à autre chose ? Sam, ça me fait beaucoup de peine ce que tu fais. Un sac à main. Ah putain! Having fun? Ça a marché! Hell yeah! I'm nearly done. I'll see you back at the house. So there's a CDC doctor still in Santa Monica. They want to make a vaccine with my blood. That's so. We can all go. Il a fallu que je m'excuse beaucoup, mais il l'a accepté. One thing I've learned: the voice on the radio promising to fix all your shit never happens. We're doing just oh, fine. Il dit le terme. Fais un tweet. You wouldn't stay behind. I wouldn't bet on it, man. Twitter serait devenu zombie aussi. She'll surprise you. Il m'a chip. Il m'a chip le con. Choqué. Je me suis fait ignored puis chiped. On est d'accord. C'est pas la coque qui crache. Et c'est pas moi qui crache, hein. Dites-moi, non c'est bon. Il m'a ignoré et chip. Chip et deux. Il m'a chip comme des chips. Ok, je retourne chez Emma. Qu'est-ce qu'on en fait de ces retours ici? J'ai envie qu'il fasse jour pour bien voir Beverly Hills. T'es où? Ah bah tiens, j'avais encore... Oui voilà, je me dis bien qu'il y avait des trucs que j'avais pas assez, c'est la thune. Et la thune, ça me sert à améliorer le niveau de mes armes, en gros. Vraiment quoi? Ça me fait penser, du coup, pendant mes vacances, j'ai testé Callisto Protocol. Puisque mon père s'est pris sur PS4. Et le gameplay est sympa, mais en fait, c'est beaucoup moins oppressant et tout ça que Dead Space, alors c'est un peu dommage. Je trouve que c'est beaucoup plus de l'action et beaucoup moins un truc stressant. Anyone there? Did Michael get back okay?
Du coup, voilà, en plus de l'optimisation qui était pourrie sur PC, bah, je suis pas mécontente de pas l'avoir prise. Je pense que j'aurais pas accroché dans la durée. Tiens. C'est n'importe quoi. Qu'est-ce qu'il a, Michael? Ouais, relax un peu. Il est tendu, le gonze, un peu. Elfrenton. Oh non, mais hey, je crois que je vais m'en aller d'ici, hein, ça me saoule. Hein. Eh oh, y'en a marre. Eh oh. J'ai vu. Il est bien, Dead Island 2. Il est bien. Voilà. Il est sympa, je pense qu'il risque d'être un peu répétitif. Parce que... de ce que je comprends, le gameplay va pas spécialement beaucoup évoluer, même si là, je suis un level un peu bas. Encore, j'ai encore du contenu à faire. Hein. Mais j'ai l'impression qu'il va pas beaucoup évoluer. Pour la suite. J'ai l'impression que j'ai vu beaucoup du jeu, on va dire. Donc je pense que ça... C'est à voir un petit peu comment ça va se passer, quelles seront les missions et tout ça. Mais j'ai un peu peur que ce soit lassant à la longue. Pour le moment, sinon il est très cool. Hein. C'est des mobs qui sont trop forts pour moi, j'ai rien à faire là. Mais je fouille un peu avant de rentrer. Je sais pas comment mettre ma lampe torche. Parce que c'est pas elle comme plein de trucs. Je vais m'en aller. C'est... La zone est trop level pour moi. Non. Oh, faut que j'aille ici ou pas? Non, faut que je retourne chez Emma. Allez, cours, je t'en supplie. Elle court plus. Ah, c'est le truc corrosif là, ça m'empêche de courir. Voilà, c'est là-bas. Mais sinon, voilà, pour en venir à Dead Island, bah, c'est plutôt... Ah, des bisous Nico. Excuse-moi. Les entretiens d'embauche. Je vais pas réussir à dormir. Ah oui, je comprends. Eh ben, très bonne chance. Merde, c'est pas par là. Par où? Pour revenir à Dead Island, du coup, sinon il est, voilà, il est assez, assez dynamique, et très gore, et très, très accessible. Enfin, très gore, gore quoi. Donc, ce qu'on attend en fait d'un jeu Dead Island. Hein. Faut que je descende. On va essayer quand même de choper ce qu'on peut choper sur le chemin. Hein. Même si ici c'est un traquenard. Non, mais je... Pour sortir par là, du coup... Ouais, mais ça m'arrange pas. Bon, bah, je descends là. J'étais full life. Ça m'a tué instant. J'ai sauté de trop. Allez, 2,5 mètres, d'après moi. Elle est un peu sensible, la piote. Ça me saoule, je sais pas par où passer. Ah bah, c'est bon, je suis au bon endroit. Bon, ça va. Les chevilles pas solides, mais t'as vu aucun appui là? Puis bon, je. Mais ouais, non, mais je savais pas par où passer. Et là, c'était une zone trop level pour moi. Tous les mobs étaient vraiment en trop vénère là. Je pouvais pas. C'est rigolo. Je pense que cette maison elle est pas trop level pour moi. On va la fouiller un peu. Ça. C'est des balles de pistolet, cool. C'est vrai que j'ai un pistolet maintenant. Faudrait que je trouve des produits chimiques. On perd des soins comme d'hab. J'ai plein de trucs mais pas de produits chimiques.
On va en trouver un peu. C'est mieux que Rin. Dirons-nous pourquoi pas. Mais bon, c'est pas assez en fait. Ok. Oh, encore. Oh, j'avais la clé. Bien. Du monde autour de moi. Ah oui, attendez, on va faire ça. Non, pff, je me suis trompée. On va faire ça. C'est bien ça. Je suis sûr, c'est mobs qui crient, mais ça va. C'est juste que si t'as plein de mobs autour de toi, bah t'es immobilisé de fou. Enfin, t'es gêné. Oh, j'aime bien ce bruit. Okay. Hello, B-Boy Commando. Oh, ils m'ont pas vu. Elle colle ses potes zombettes. Ah ouais, est-ce que ça les... Oh non, c'est chiant, on entend... Oh, je n'aime pas les fichiers audio de ce jeu. Ils sont vraiment très désagréables à écouter. On n'entend que des bruits de bouche en permanence. J'ai juste envie de... j'ai envie d'éclater mon casque actuellement, là. Du coup, je parle comme ça, voilà, j'entends un petit peu moins ce qui se passe. Mais je vous avoue que les bruits de zombies, comme ça, là... C'est très énervant. C'est vraiment très 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 énervant, on a compris la blague, à chaque fois c'est la même, c'est un truc qui se passe, genre de la musique, genre un appel, genre un cours de yoga en entendant des zombies sur le tas, on a compris la blague, arrêtez et laissez-moi faire pause à ces putains d'enregistrements qui me... Arrête. Oh toi. Bon. Je voulais la faire passer par la fenêtre, c'était rigolo, j'ai réussi. Tu vas bien? Oui, ça va. Ce jeu me tente, mais je suis pas de base zombie. Est-ce que tu aimes bien peut-être le côté un peu... Vermintide, peut-être le côté un peu... les jeux qui se font à 4... où tu défourailles du zombie ou des créatures ou des trucs comme ça. Parce que ça s'inscrit dans cette lignée-là. Si t'aimes bien, Vermintide, bah ce sera le même style. En plus accessible, ce jeu, c'est un perso qui est rapide, qui se prend très facilement en main, les armes aussi, enfin voilà. Le côté zombie, bah faut voir ça comme simplement une excuse pour faire un gameplay comme ça en fait. Après bah tu auras forcément les classiques du zombie, à savoir les zombies un peu élites, plus forts que les autres, t'auras un scénario basé autour de ça, très léger, très peu présent pour être honnête, enfin il est là mais voilà, c'est pas... On comprend bien que le jeu il veut surtout privilégier le gameplay, le côté fun. Et après du coup il est très peu horrifique dans son genre. Par exemple un Left 4 Dead ou Back 4 Blood, voilà ce genre là, ou un Dying Light. Seront vachement plus flippants, surtout Day Night, qui est le premier en tout cas, que longtemps de GMA. Sont chiants. Qui ont vraiment un côté horrifique du zombie. Là, on a plus le côté chair à canon un peu du zombie, quoi. C'est open world pas vraiment. C'est semi-open world, on va dire. C'est que tu as des grands espaces comme ça. Et quand tu vas dans une autre partie de la ville, et ben ça va te mettre un petit pop-up te disant « Voulez-vous aller à Beverly Hills par exemple? Voulez-vous aller à tel endroit ?» Et tu dis oui ou non. Et du coup, c'est semi-open world.
Donc ce sera par... comment on appelle ça? Oh, j'ai plus les termes, mais voilà. J'ai l'impression que ce qui gueule ramène tous les autres. Ah, c'est possible, j'avais pas pensé à ça. Du coup, faut vraiment que je fasse taire en premier, en fait. J'ai pas pensé. Je sais plus comment je vais chez Emma. Est-ce que je l'ai déjà su? Est-ce que je connais Emma? Oui, je connais Emma. Oui. C'est quoi ça? Les grands chemins. Ah, c'est bon, c'est par là. La flemme d'user mes armes, ça fait très longtemps que j'ai pas pu les réparer. Et t'auras un côté craft leveling aussi. Qui est assez... Qui sont, bah, encore une fois, assez intuitifs. Assez bien amenés. Oh punaise, y'a du monde. Pareil, tout ce qui est bombe, tout ce qui est consommable, on va dire, les objets à jeter notamment, et ben c'est un cooldown, t'as pas besoin d'avoir de réserve. T'as beaucoup de trucs qui sont facilités. La mort est pas très punitive. Par contre, elle peut arriver assez souvent si tu visites un peu trop de zones comme moi qui sont pas forcément du niveau ou voilà. Mais vu que le loot est assez important pour les crafts, et ben c'est quand même bien de looter. C'est quand même bien de visiter, pardon. De faire des détours. Et voilà, un système de pecs, t'as des niveaux, là je suis niveau 10. Je sais pas jusqu'où ça va, mais je crois que ça doit aller jusqu'au niveau 20. Et t'as un système de craft d'armes et d'amélioration d'armes, où en fait tu vas pouvoir poser des modules sur tes armes qui vont leur donner une spécificité. Là par exemple, mon arme elle fait des dégâts électriques, mais j'ai aussi un... Ah bah non, c'est une des rares armes à feu du jeu. Là par exemple j'ai ça qui fait des dégâts, alors je sais plus, peut-être des dégâts un petit peu de corrosion, acide, machin. J'ai cette arme là qui fait du feu et tu vas pouvoir jouer avec l'environnement. Genre typiquement t'as de l'eau au sol, hop tu utilises ça et du coup ça les électrocute. Pareil avec des bidons d'essence et du feu, voilà voilà, des petites choses comme ça. Du coup, t'as tout intérêt à avoir plusieurs âmes qui ont plusieurs capacités différentes, plusieurs éléments, on va dire, différents. Comme ça... J'ai eu quoi? L'argent et des pièces métalliques. Comme ça, t'es paré pour toutes les situations. Et après, faut les réparer, les améliorer. Salut Gwenno! C'est quoi le but? J'essaie de comprendre. En gros, bah tu suis, tu as des quêtes principales. Il n'y a pas beaucoup de quêtes secondaires, je crois, dans le jeu. Ou alors, je les ai peut-être un peu ratées. Mais parce que la carte aussi, je la trouve pas très lisible, hein. J'ai un peu du mal. Ah ouais, là par exemple j'ai une quête secondaire. Moi j'en ai pas fait beaucoup jusqu'à présent, ce serait bien que j'y aille. Moi je suis beaucoup la quête principale depuis le début. Et je suis où? Je suis là. Le but c'est, en gros, ton perso est immunisé, bon c'est très tôt, au virus qui transforme tout le monde. Et t'as toute une trame principale qui en découle de ça, où tu vas essayer de contacter des gens, tu vas te faire un petit groupe, vous allez essayer de vous sauver entre vous. Y a du multi sur le jeu aussi. Balade et tutu et c'est tout. Bah c'est l'essentiel du jeu, c'est le gameplay effectivement. C'est comme, comme à ce niveau-là par exemple, ce sera assez proche d'un Left 4 Dead. Ouais. C'est, le but c'est de défourailler du zombie de manière corps et de se défouler quoi. C'est des jeux défouloirs. Et bisous à celui qui va se coucher, j'ai pas vu. Bon bisous, je m'en vais. Bisous petit. Mais là je vais essayer d'aller... Mais comme tu vois en haut à droite j'ai ma quête principale. Mais là j'aimerais bien faire une quête secondaire. Et j'en vois une là. Sauf que la carte est tellement pas très intuitive pour moi que c'est un peu chaud. J'ai un peu du mal à m'y faire. J'ai très peu utilisé depuis le début du jeu puisque je suivais beaucoup la quête principale. Mais voilà, ce sera comme tous les jeux un peu du style, c'est-à-dire que voilà, t'as un objectif. Un objectif, tu dois trouver un moyen d'atteindre cet objectif, t'auras des phases de boss, t'auras... Voilà, c'est du jeu vidéo classique, quoi. Je peux peut-être passer par là. Demain, dure journée du coup. Mais oui, bon courage pour ton opération.
Des gros bisous et puis donne-nous des nouvelles. Dis-nous quand tu pourras passer. Pour dire si ça s'est bien passé, tout ça, tout ça. Des gros bisous. C'est vrai que je me lève à 6h. Ah ouais, bah attends, il te reste pas beaucoup là. Et encore, si tu t'endors vite. Il fait chier elle. Il fait chier lui aussi. J'ai pris cher. Mais il me soulève. Eh ouais, ils sont... Ça va. Oh non, ça je m'en fous. Voilà. On y va. Ah mais non, mais c'est ma... What the fuck. Ouais, non, mais non. C'était ma quête principale, en fait. Merci beaucoup, B-Boy. Merci et bienvenue. Je répare juste ça et ça et on va vendre un peu. Mais du coup en fait la quête, ça c'est ma quête principale ou secondaire quand c'est bleu comme ça? Ouais, ça c'est ma quête principale et ça c'est une quête secondaire. Ok, bon on y va. Ah oui, c'est eux, on les avait croisés. On avait sauvé elle. Pas... Là tu ne fais rien là. Fais pas semblant de travailler. Hein. Pas du pain. Fuck Océan. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi ce combat? C'est quoi cette conviction? Fuck Oceans. Aujourd'hui, j'ai failli mettre le feu à la maison. Pourquoi, t'as vu une araignée? Avec des pâtes encore plus con du pain. Bonjour Roger. Ah Roger, c'est le vendeur. Moi, je peux acheter des plans. Attendez. Augmente les dégâts des coups critiques mais réduit les dégâts normaux. Augmente la vitesse des dégâts mais réduit la force. Peut-être prendre... Oh non, j'ai pas tant de thunes que ça. Attendez. On va vendre. Vendre du coup. Oh, il a l'air bien lui en vrai. Est-ce que je le vends? Oh mes pieds de biche, je me bats pas beaucoup de pieds de biche moi. Donc je vends ça, je vends déjà tout ce qui est pas... Ouais, ça je vends. Ça je vends pas. Ça j'hésite à vendre. Hein, je vais garder pile biche. Ah mais j'ai des armes à vendre dans mon stockage. Ok. Je peux acheter des plans et est-ce que je peux acheter des produits chimiques? En acheter quelques-uns. Hein. J'en achetais qu'un. Ah mais j'en avais qu'un, ok. Est-ce que j'ai un... Il est où le stockage? Thanks man, already found him. But you're a big help. Ah il y en a pas ici. C'est con, il y a un vendeur, il y a pas de stockage. Bon bah je verrai au pire à la base. Ah si, là. Ah il les prend pas ceux-là. Ok bon, on dégage. Non pas ça. On va du prompt dans mon inventaire. Voilà. Et ensuite, tout ça, on va vendre. Je vais entrer. Ah, j'ai plus de place. Plus de place, c'est ça? Pourquoi il la veut pas? Hop là, et ça je vends. On prend un peu de moule là. Et après on va prendre la quête. Putain, j'ai une clé mort. Ça me semble pas commun les clés morts. De la vendre maintenant. 196 de puissance. 193. Level 11. Ouais. Peut-être pas la vendre tout de suite. Et j'ai pas de... J'ai pas de table de craft ici. Bon, on verra. Et ça, je recycle. Ok. On verra un peu plus tard. Bah, je dois avoir une table de craft, mais j'ai un peu la flemme de la chercher partout.
un établi. C'est ça le bon terme. Moi je vois pas quand même. Allez, on prend la quête. You know, you're like, you're good at this. You're good at apocalypses. This. It comes naturally. Toujours en slibard, lui. But I'm, hey, I'm not. Roxy and me, staying out of trouble is like a full-time job, man. I've only ever been really good at one thing, and I barely even do it anymore. Hey, you guys were rock legends. Heard you everywhere growing up. Ouch. And exactly. Like, what have we done lately? I gotta find that spark again, man. Get back in touch with the gods instead of just the whiskey. Farouk! Huh? Farouk's our producer. He lives next door down the hill, like totally obsessed about discographies. Collects every master tape and unreleased track you could imagine, including ours. Hey, some of those had real promise. I wonder if maybe sample them? Hey, I'll be right back, man. Tell Roxy not to worry. Wait up, man. You're not heading out there. I'm not? I'm the expert, remember? I'll go get those tapes for you. Oh, kick ass. If Farouk's not home, just ask his boyfriend Dave to show you around. Tell him I sent you. Oh yeah, I'll okay. get the guided tour. Ok, on va aller chercher du truc, je sais pas quoi. Des disques, des... suivi à peine. Ah, il est là, l'établi. J'ai voulu décongeler du pain, sauf que j'avais pas mis le mode décongélation sur le micro-ondes. En attendant que le micro-ondes tourne, je suis allée jouer dehors avec mon chien et je vois de la fumée sortir de la porte vitrée. Et quand j'entre, il y avait de la fumée partout dans la cuisine et le salon. Ah merde! Ah bah oui, du coup t'avais laissé... Oui, parce que c'est vrai que le mode décongélation, tu mets un temps très très long. Parce que ça fait doucement. Sauf que si c'est pas de mode décongélation, ouais, ça fait un... Ok. Je vois, je vois. T'as dû flipper. Alors, est-ce que je peux level up? Quel est au niveau? Ouais, c'est ce que j'utilise le plus, je vais faire celui-là. 233, ouais. Et là, je peux le faire aussi. Je sais pas combien de temps, combien ça va me demander. 4000 et quelques. Ah oui, d'accord. Ouais, c'est bien ça quand même. J'avais une hache qui était trop bien. Elle est où? With all the zombies around. Oh, j'avais une hache qui était trop bien et je l'ai vendue, je crois. Enfin, je l'ai... Oui, je l'ai vendue, je crois. Oh, je suis un peu deck si c'est ça. Oh merde, j'ai vendu la hache qui avait l'air trop bien. On a que les morts. On va essayer de se faire une petite claymore stylax parce qu'on a des nouveaux crafts et puis après on y va. Répétitif comme jeu, heureusement qu'on peut faire à deux joueurs. Ouais. Ou à... Alors je pense... Je sais pas si ça va pas au-delà de deux. Est-ce qu'on pourrait pas jouer à quatre joueurs? Parce que le premier on pouvait jouer à quatre. Mutilateur de corps. Amateur. Je prends le mutilateur du coup. Et ça je vais prendre... C'est quoi ça? Hécatombe. Augmente les dégâts aux membres et la durabilité. Augmente l'égo critique et attaque puissante. Mmh. Ok. Après, ce qui est sympa dans le jeu, on va dire, ça va être la découverte de nouveaux endroits. Qui, pour moi, est une des qualités du jeu. Bon, le reste, je vais garder. Ouais, c'est bien. Ah, le pied de biche, je l'ai pas amélioré. Parce que lui, il a l'air très bien. Je l'améliore vite fait, et puis après, promis, on fait la quête. Impact. Ah, peut-être perforateur. Ouais, je vais faire perforateur. Là, je vais faire... Monte la durabilité et la force, mais réduit la vitesse d'attaque. Monte les dégâts aux membres et la durabilité. Ouais, ça c'est bien. Hmm.
Amplification. Pas mal ça. On voit à quoi ressemble mon petit pied de biche. Regarde. Salut, salut, petit pilouf-pion. C'est par là que je dois passer. Voilà, ça marche. Alors. Retourner chez ma. Mais non, mais moi je veux faire la quête secondaire en fait. C'est chiant, je sais pas comment la. Comment indiquer au jeu que je veux faire ma quête bleue et pas la quête dorée. Quête disponible, voilà. Ah voilà. Rex le retour, c'est bon. Et bon, c'est bon, je l'ai fait. Et bah c'était complètement par là en fait. Salut copain tout gros. Je vaux vraiment le coup. Je pense qu'à la longue, malheureusement, il est cool. Si t'es vraiment fan de ce type de jeu, il te plaira. À la longue, c'est ce que je disais un petit peu, je pense qu'il risque de lasser. Par contre, si t'as un poteau avec qui jouer, là pour le coup, le côté répétitif, je trouve qu'effectivement, ce qu'on disait, il sera moins présent. Parce que bah, quand t'es avec un poteau que tu joues avec quelqu'un, c'est un peu différent. Si t'as bien aimé le premier, tu l'aimeras celui-là. Mais vu qu'on a moins ce côté découverte du premier, celui-là finalement la découverte ça va plus être les nouveaux zombies que tu verras et les nouveaux décors. Mais le gameplay n'évolue pas énormément. Il évolue un peu, mais pas énormément. Donc ça peut être un peu léger quand même, d'après moi. On va dire pour un triple. Bon, voilà, oui c'est un triple A. Ou pour un jeu type triple A qui du coup sera un prix un peu élevé. Vaut mieux peut-être attendre qu'ils soient en réduc et juste kiffer le temps que tu kiffes le jeu. Et voilà, et on va dire que si tu le payes moins cher, bon bah tant pis. Enfin, imaginons, tu te lasses un peu, t'auras kiffé tant que t'auras kiffé, t'auras pas l'impression. J'aurais pu jeter la batterie dans la piscine et les pousser dans la piscine. Mais voilà. C'est mon avis. Déjà fait le 1, j'étais hype à l'époque de l'annonce. Avec le délai, j'avoue que j'hésite. Ouais, bah, j'étais pareil que toi, mais forcément, l'annonce, elle date de quand? Elle date de 10 ans. Comment vas-tu? Bah, très bien. Après, je m'amuse sur le jeu, en vrai. Je m'éclate et ça me plaît bien de le faire et tout. C'est que ma deuxième soirée dessus, donc je suis pas lassée pour le moment. Mais on voit bien qu'il est quand même répétitif. Ce serait mentir que de dire que le gameplay change tout le temps, machin. Mais le côté jouissif et le côté gore sont toujours là. Les décors sont très beaux. Le jeu est super accessible. Et il est fun comme on se l'imagine. Juste, voilà, à la longue, malheureusement. Après, faut un poteau, quoi. Ça, c'est ça. Je vais aller chercher la batterie. 10 ans plus, ouais, c'est ça. Moi aussi j'étais extrêmement hype à l'époque du premier, et puis le trailer du 2, à l'époque du premier, à l'époque de la première annonce du 2, le trailer en plus de cette annonce déchirait. Là j'étais un peu moins... La communication autour du jeu était un peu plus basique quoi, j'étais un peu moins hype. Mais après voilà, j'ai pu avoir le jeu et ça reste quand même agréable, vraiment c'est pas... C'est le genre de jeu défouloir après une journée de taf, tu te fais ça, t'es tranquille, tu te prends pas la tête, t'écoutes ta musique à fond. Les musiques du jeu sont sûrement... Alors, je pense que les musiques du jeu sont mieux que ce qu'on entend, quand on entend des musiques. Mais moi je suis en mode streamer, donc les musiques sont un peu basiques. C'est la musique des bros de droit quoi. Je pense que la musique est assez stylée sinon. Elle est bien, il est bien ce pied de biche. J'espère qu'il sera un open world. Je sais pas, moi les jeux de zombies en open world, je sais pas. On va dire un gameplay comme ça en open world, je sais pas si ça m'intéresserait. Master tape number one. Oh. Old school. Stylé. Parce que bah, dans un semi-open world, t'as déjà beaucoup de choses à visiter, à voir et tout. Et en open world, bah, ce serait passer son temps à remplir de l'espace artificiellement pour.
pour plaire aux joueurs et je sais pas si ça s'y prêterait honnêtement. Je voilà, pour moi ça s'y prête pas plus que ça. Mais à voir hein, finalement. Tout dépendra de la manière dont c'est fait évidemment. Coupe électrogène. Désactive. C'est bon, je peux passer. Fallait que je fasse un truc ici hein. En fait tout est fermé. Mais je loot, je m'en fous. J'ai les bandes dans la maison. Ah oui d'accord, j'en ai trouvé que deux. Ok. Ah bah je pense que c'est... Oh l'été. Cool. Peut-être pouvoir ouvrir un coffre. Si je trouve un coffre. Je peux surtout ouvrir cette porte en fait. Voilà. J'ai bien kiffé sur Dying Light 2 en termes de zombies. Vraiment attendre du coup. Dying Light 2, j'avais été un peu déçu, j'avoue. J'avais pas joué plus que ça, je m'attendais à autre chose. Mais le jeu. Bon après ça. Non, je... Oh! Le jeu en reste sympa, mais par rapport au 1, j'avais été un peu déçu. Non, mais ça, je m'en fous. Merde. C'est pas trop prévu ça. Je vais faire ça. Ça va en fait. Tout était prévu. J'aurais pu faire un truc vachement stylé, mais comme d'hab, je loupe le coche. Le jeu, il me met plein de trucs pour faire des arrivées stylées, pour faire des explosions et tout ça, et à chaque fois, je bute tout le monde, et après seulement, je me rends compte que, en fait, tout était prévu pour que je fasse tout exploser ou autre. Ça, c'est toujours ça. On en a un peu toujours. Il y a beaucoup de combos ici, c'est bien. Oh, hey. Bah du coup je ramène les bandes originales. J'ai plus de batterie à mettre dedans. On va flemme. Franchement lui on va faire la passe. Hein. Oh la musique là de radio mais un petit peu avec ce son de radio dégueulasse ça me gonfle. C'est où c'est là. Attends, Dying Light, pour un jeu, ce sera un jeu de fantasy. Ah, ok. Bon, why not, hein. Bon, elle s'arrête quand l'enregistrement, parce que c'est vraiment pas agréable avec ce type de son. Vous entendez, là? Il y a les deux musiques qui se mélangent. Et on a un son dégueulasse pour le truc rock, et du coup, ça fait vraiment pourri. Bref, c'est pas fou. Bien efficace sur les gros mobs comme ça. Le côté découverte en moi, ça peut réduire le plaisir. Ouais. Et puis les décors, alors ils sont sympas. Mais peut-être que c'est mes préférences perso, mais je trouvais qu'il y avait un côté un peu plus... un peu plus unique on va dire sur le premier de Thaïlande avec l'île tropicale, c'était un peu, je sais pas, j'ai l'impression que quand je découvre un nouveau décor, alors là par exemple on a eu des studios de ciné et tout ça, c'était sympa hein. Mais typiquement quand je visite la ville, bon bah à part à l'intérieur de certaines maisons qui sont stylées où t'es là ah oh, waouh classe, j'ai je sais pas le côté île tropicale perso j'aimais pas mal visiter. Hop, qui a évoqué LMS, salut. Ouais, je crois qu'il m'a même un peu tapé dans le dos. Un de sa mère, il y aura la conférence PlayStation pour annoncer ses jeux exclusifs. Hein, moi j'en parle à PlayStation. Enfin, j'ai une PlayStation 4 que je compte pas utiliser. Oh hey!
I don't remember calling a... Do we have an interview scheduled? Oh, come on. Ricky, I fixed your tape. J'aime bien le gars qui t'envoie à la mort et qui l'oublie. I got the stupid master tapes from your zombie producer's house. Farouk's? Oh, man. Dave's gonna be, like, heartbroken. Shit, sorry. They're both gone. Oh, sad note, man. Like, ballad worthy. There was this one track we laid down and... Hey, wait. Did you say master tapes? I was just thinking about getting those back. Yeah, I know. Ouais, il a un slip en dentelle, hein, on l'avait vu quand il était debout avec une ceinture. This is fucking awesome. Au revoir, copain Totoro, I'm gonna listen to him right away. Bonne nuit. Oh, there's some gems on here, you know? Some real gems. I think. Hey, thanks. You're... C'est trop long parce que c'est pas si drôle en fait. La première fois qu'on les a rencontrés, c'était rigolo leur la conversation avec ce personnage et tout ça. Là, honnêtement, c'était juste un peu chiant. Et un peu mais bizarre dans celui-ci. Oh, père châssis. Oh, j'ai ça. Oh, c'est bien ça. Oh, c'est bien. J'ai une nouvelle arme qui a l'air bien ça. Bon, je testerai. Alors que je l'améliore un peu. Et on va tester ça. Et puis on va aller faire la quête principale quand même. Ok, je suis bien en soi, c'est cool. Moi, je veux des dégâts augmentés, moi. Au moins j'aurai un peu plus de... J'aurai un peu plus de portée éventuellement. On est un peu loin je pense. J'ai fait un. Bon. J'aurais essayé. Et d'ici alors. Ah, il peut pas m'avoir. Enfin, je galère un peu aussi. Pas dingus. Il m'a tapé. Je suis sur lui. Ça va mal se passer. Un peu long. Peut-être. C'est pas si mal, mais c'est un peu long. Bon, petit soin quand même. Allure. Ça, c'est quoi? C'est du coffre de Michael. Oh, le coffre de Michael. C'était sur un zombie qui est vachement loin de là où on... Bref. C'est pas grave. Salut Kenji. Salut Sam. Que les jeux zombies c'est toujours la mode. Les zombies ça a jamais vraiment passé de mode je crois. Mais en ce moment le côté zombie on le voit beaucoup ouais. Il y a des moments où on en voit plus que d'autres je dirais. Mais... Je pense qu'on a un peu toujours eu, ne serait-ce que des modes zombies dans des jeux de zombies, des jeux d'horreur où tu vas voir la figure du zombie, des films et des séries. Franchement chaque année on a notre lot hein. J'ai l'impression que... Ouais, j'ai l'impression que ça a jamais été passé, quoi. Effectivement. D'accord avec toi, Marvel Galactus. La technique à la pute est toujours d'actualité, je valide à fond. Ouais, et encore en vrai, je me galère plus qu'autre chose, hein. Je pense que... Canne à pêche comme art, ça devrait être stylé. Technique Minecraft.
On va retourner chez Emma. C'est toujours nuit. Moi, je veux qu'il fasse plus nuit. Je l'avais pas vu. Je l'ai vu trop tard. On va aller là-bas. Je vais les contourner parce que flemme. Elle a pas gueulé longtemps celle-ci. Ah mais si elle finit avec l'explosion. Ça, peut-être ça. Voilà, ça c'est bien. Ça fait bien des dégâts, ça. Ouais, ça les éclate, ça. Très très violente, cette. Ce pied de biche, très violent. J'aime beaucoup. On a un compas streamer il y a quelques jours. Pour le premier. Star Wars Jedi Fallen Order. En difficulté max, c'est un moment un boss atroce, il galère de fou. Je vois un micro passage sur le coin. Si tu te mets là, je peux te le faire. Son œil s'est allumé. Il a dit mais oui, et hop, petit boss. Technique à la pute. Ouais, tu te caches dans un coin où il peut pas aller. Tu te mets accroupi, tu tapes ses pieds. C'est ça, en gros ouais, je comprends, ouais. Ok. Emma et son entourage pour le périlleux voyage vers Santa Monica. Ah! Comment je les prépare? Emplacement de compétences vides. Ah ouais, j'ai un emplacement de compétences vides. Oui! C'est quoi ça? Touche à un objet à lancer déclenche un bonus de charge. Ah! Un objet à lancer. Est-ce qu'une grenade c'est considéré comme un objet à lancer? Je suis pas sûre. Quand on m'a tombé un dard, on m'a un modus monirin, une ligne. Déjà ma distance, non aussi. Ouais, bah ça va être plus intéressant. Prendre ça. C'est exactement ça en plus. Ouais, je connais bien ce genre de technique, effectivement. Trou dans le mur sous un gros tuyau. Et en tapant dans ses jambes. Et ouais, toi t'as fait quoi, toi, hein? Hey, I made a promise. Gracias, madrecita. Where is he? They're all in the gym. Salle de sport. Pourquoi pas? Mais d'abord, voilà, hein. Petit tour comme d'hab des chambres. Histoire de ramasser tous les fonds de tiroir qui n'ont pas encore été ramassés. En tout cas, je suis contente, j'ai l'impression d'avoir vraiment des armes qui font du dégât. Et ça, c'est cool. Parce que quand j'ai repris là, je trouvais qu'on faisait pas de dégâts. Ou un plan. Un impact à distance inhabituel. Impacteur à distance, ouais mais bon, impacteur à distance. Oh mais j'ai un petit flingue là. Ça c'est tellement mieux ça, et puis j'ai beaucoup de balles en plus, et il est plutôt bien. Ça, par contre ça va faire un petit F3. F3.
beaucoup d'armes quand même, j'en utilise pas tant que ça, je vais peut-être en vendre un. Oh non, un truc audio. Oh putain. On va encore entendre des bruitages insupportables. Par à vous. You're just in time for the surprise. Déjà, ça m'énerve. Mais bon, bien sûr, ça va se transformer en zombie. He'll just get himself killed as well. Forget it. What did you say? Hey, be careful. Bonne annonce de présage meurtrier. Désolé, hein, c'est pas ma faute. Ça gueule autant, j'y suis vraiment pour rien. Les trucs audio qu'on ramasse sauf que bah je sais pas quand je ramasse un truc ça va être un truc audio et je ne peux pas faire pause, je ne peux pas l'annuler voilà, obligé de les subir. Ok, salle de sport. All right, you're all here. Oh merde. Damn man, how long you been bit for? Oh, il s'est fait mordre. Oh my gosh. Oh, ça craint ça. Deal with this right now. Don't touch him. Go check on Andrea, see if she's okay. That. This ain't no game, Emma. You know what's gonna happen to him. The same thing that happens to all of them. Now let me. This is my house. It is my rules, Sam. Go. Faire un adepte de cette méthode de tuer, mais c'est en danger, oui. If he so much as twitches funny, you. You know what you've got to do. Yeah. C'est bien, Assassin's Creed. Fine. You're not fine. Compliqué avec les Assassin's Creed. Okay. Attendez. Emma, it's time. Je réponds après. Don't even think about it. I took you in. You owe me this. Put the gun away. Move. He's gonna. You don't know that. Hey. The 2019 Best Supporting Actress Romero goes to. Oh, oh my lucky charm. This is why you left. Emma. I think I've got the special blood. I'm zombie proof. I just feel it. Yes. Ah, il va se transformer, il va la mordre. On connaît ces scènes, on connaît, on en a déjà vu plein. We're going to get through this. Michael. Michael. Michael, please wake up. Please. Okay, get away from him now. Fuck you! Why do you get to be the special one, huh? Who the fuck are you? Eh ben oui, évidemment. Non mais, enfin meuf, quand même quoi. Non mais vraiment? Vraiment? Get out of my house. Mais c'est pas ma faute si ce crétin s'est fait mordre. Ça m'énerve, ça m'énerve. What happened? Michael, zombie Michael, he was going to bite Emma. She's ah oui. Pissed. I'm sorry, madrecita. I have to go. Bon, on va arrêter la VOD ici. Des bisous VOD, à la prochaine.